Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 26e épisode dans Let's Play sur Luigi's Mansion 2. Dans l'épisode précédent, on a fait l'attaque surprise de la maison des collections. On a affronté plein de bouts, enfin un bout géant qui se divisait en plein de petits bouts. Il fallait les enfermer dans un train. J'ai eu un peu de mal pour certains, parce qu'il y avait des petites caisses dans lesquelles il fallait les envoyer. Et voilà, donc là on va poursuivre. Chaos paranormal, je reçois des signaux étranges en provenance de la terrasse. J'aimerais que tu te rendes sur place pour voir ce qu'il se passe. Faisons ça. Luigi, je ne sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Lorsque tu as vaincu Maxibou, l'occultographe a détecté un nouveau signal très étrange. Il s'agit d'une distorsion dans la trame même de notre dimension. Plus précisément, cela correspond à un portail Luigi. Un portail paranormal ouvert sur la terrasse. Il y a de fortes chances que le dernier fragment de la lune noire soit caché derrière ce portail. Et quelque chose me dit que ton frère Mario et le roi Boo nous attendent également là-bas. Mais je dois te prévenir, traverser un portail paranormal est extrêmement périlleux. Malheureusement, j'ai peur que nous n'ayons pas d'autre choix. Sois prudent mon garçon, l'avenir du monde est entre tes mains. Je sais pas s'il est dans le bon sens. Non, il n'est pas dans le bon sens. Là, il... Regardez s'il n'y a pas un petit peu de soin à récupérer gauche à droite. Même si c'est que 5 pièces, c'est toujours ça de prix. Pièce peut faire la différence à la fin. Peuvent faire, c'est plus français. Oula, il est fantôme. Nom d'un globule, j'enregistre le plus gros pic d'activité paranormale de toute l'histoire. L'heure est grave, Luigi. Très grave même. Le portail attendra. Nous devons ramener ces niveaux à la normale. Si nous ne faisons rien, notre espace-temps risque de se disloquer. Je vais t'indiquer sur ta carte les endroits où je détecte la présence de fantômes. Bonne chasse, mon garçon. Où est-ce qu'il y a des fantômes? Au niveau des... Mince. Au niveau des portails. Premier étage, gauche et droite. Thank you.
Je sais que je me rallonge, hein, mais. J'essaie de choper un peu de sous en même temps. Tous les deux dans le même sens. Regardez là. Oh non! Merci pour le cœur, merci pour les sous. C'est toujours pas comment y aller derrière. Bref, c'est pas grave. Luigi, l'atmosphère est saturée d'énergie paranormale. Ok. Ça continue comme ça, notre espace-temps va se disloquer. Fais vite. Oh, non, mais j'ai pas le droit. C'est pas l'os que je... Ah ok, j'avais pas vu, j'ai du temps. Oh le boulet. Excusez-moi, j'ai rien fait. J'avais pas vu que j'avais du temps. Excusez-moi. Bon, je prends mon temps, tranquillou bilou comme d'hab. Non, j'ai du temps. Non, j'ai esquivé là. Ah.
ça, j'ai pas le cœur. Plus le cœur. Oh, c'est pas ça que je veux faire. Merci les deux en même temps, c'est mieux. Heureusement que j'ai l'os. C'est un peu un coup de chance, mais... Luigi. Oh, j'ai détecté la présence d'autres fantômes. Regarde vite ta carte, mon garçon. J'ai pas été bon. Comme d'hab, de toute façon. Ouais. Embêtés tous les deux là. Très gentil. Nouveau fantôme détecté, à l'attaque Luigi. En plus c'est... ok. Chacune des pièces, hein. C'était pas visible. Ce n'est pas fini mon garçon. Ne baisse pas les bras. Là oh bah, je vais y aller alors. On sait que c'est du faux, c'est là, on sait que c'est la vraie.
Pourquoi ça marche pas? Non mais arrête, toi t'es relou. T'as pas ton cœur comme dit Camaro. Pas des sous, un petit peu, que dalle. Ensuite, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Je vais faire là, je vais me téléporter. Vas-y fantôme là. De toute façon là, j'ai les sous. On s'embête plus. Tac tac tac. Oh mais non, allez Luigi, s'il te plaît. Ça va le faire. Faire, j'aurai plus de vie, ça va le faire. Là j'ai plus le temps.
On va recommencer. Hein. Bon bah, c'était pas prévu que ça se passe comme ça, mais bon. Ça m'apprendra. Bah on va accélérer un peu plus le rythme. Bon, du coup pas de balade. Bon, ça on peut passer. Hop, on a déjà vu. On va juste récupérer les sous qui sont là. Pas grand chose, mais. Et après, j'accélère. Tant pis pour l'ectoblast, si je l'améliore pas, c'est pas très grave. Ok, merci. Et j'ai vu que là, il y avait ça. Merci. Ok.
Il a tiré les deux autres. T'es où, fantôme? Oh, il a repris un bouclier. On n'a pas le time. Toi, tu es là. Mais t'arrêtes de me cracher dessus. La vie, s'il te plaît. Y'a rien. On va aller là. Mince. J'ai mal géré.
cas, j'essaie d'aller un poil plus vite que tout à l'heure. Faut arrêter. Je fais ce que je peux pour aller le plus vite possible. Allez! Pour le cœur. Je vais voir ce qui se passe sur la terrasse. Je détecte des signaux étranges venant de là-bas. J'ai vraiment cru que là, ça va être la catastrophe. Dans l'autre sens. Thank you.
suis là. Heureusement que j'ai le nonos encore. Là c'est une catastrophe, hein. L'épisode... Je sais qu'on approche de la fin du jeu, mais quand même... dans le dos. Il faut que je fasse du 10 par 10 même si des fois je veux faire trop d'un coup. Il faut que je m'occupe de lui. Chaud. Ok, un. Attention parce que là... C'est lui qui m'intéresse. Non mais c'est une blague, il y en a combien de fantômes là? Ça s'arrête quand? Merci pour le cœur. Quand que tu attaques. Faire tranquillement. Prendre notre temps. Je
Ça le fait. Ça le fait bien. Plus grand chose. Trop loin. Bravo Luigi, encore une fois, tu as réussi. Tu es devenu un véritable héros de la chasse aux fantômes. Electoblast 5000 est le stylet avec lequel tu graves ta légende dans le marbre. Tiens, à propos de l'Electoblast... À propos, l'Electoblast doit être plein à craquer de fantômes, non? Je vais te ramener ici pour que tu puisses le vider avant de franchir le portail. Ah, j'ai galéré. On était vraiment pas loin du deuxième fail dans l'épisode. J'ai en 2 étoiles quand même. On a les sous déjà pour améliorer Ectoblast aussi. L'espace d'un instant, j'ai cru que tu n'allais pas t'en sortir, mon garçon. Ce défi était peut-être le plus difficile que tu aies eu à relever, mais tu t'en es sorti avec brio. Ouais, non, celui-là était dur. Puis là, j'ai pas perdu de temps sur la deuxième fois que je l'ai fait, mais on était limite encore. Hein. Amélioration. Super Ectoblast déverrouillé. La capture de fantôme te paraîtra bien plus facile et plus rapide. J'aurais bien aimé l'avoir là. ça m'aurait arrangé. Ta victoire contre Maxibou a dû remettre le roi Beau hors de lui. J'imagine qu'il a envoyé cette armée de fantômes contre nous pour se venger. Malheureusement pour lui, on sait maintenant comment l'atteindre à coup sûr. Et oui mon garçon, le portail paranormal, il est toujours ouvert. Mais ça ne pourrait pas durer, il pourrait le fermer à tout moment. Prends garde à toi, roi Bou. Le point vengeur de la justice va s'abattre sur toi. Pas vrai, Luigi? Et bah, les amis, on verra le prochain épisode. On verra la suite dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé pour le fail. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Luigi's Mansion 2. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve bientôt. À bientôt. Ciao.